Passons maintenant à notre deuxième point qui est l'électroneutralité. Alors, il faut savoir que le nuage électronique comporte ou contient Z électron qui a pour charge moins ZE. Et le noyau comporte Z proton et N électron. La charge est de plus ZE. En d'autres termes, la charge électrique totale de l'atome est moins ZE plus ZE, ce qui est égal à 0. Alors, à partir de cette démonstration, on peut dire que l'atome est électriquement neutre. Donc, si on doit récapituler, on va dire simplement que, concernant l'électroneutralité de l'atome, les atomes, de façon générale, sont électriquement neutres parce qu'il y a autant de protons que de neutrons. Ça va? Donc, voilà en ce qui concerne l'électroneutralité des atomes. Succès assuré.